Alors, dans notre pseudo-combat réel pour nous, utopique pour d'autres, on en a rien parce qu'ils se reconnaissent dans une glace. Depuis toutes ces années, ce qu'on essaye de défendre, Wallahi l'adhim, j'en ai vu des vidéos. Mais celle-là, c'est la plus terrifiante que j'ai vue de ma vie. Le petit, chez lui, pris en otage de l'attitude de sa sœur. Il va être traumatisé à vie. Il assiste. On lui marche dessus sur sa fierté déjà depuis son plus jeune âge à cause de ses sœurs. Wallah, wallah, cette vidéo est terrifiante. Alors bien sûr, t'as 77 ans, t'affiches des types, et si ça, ça. Non. Là, je préviens les parents, je préviens l'entourage. À quoi ce petit assiste en direct live et ça met sur les réseaux normaux. Ça fume, ça. Ce qu'on est devenu. Oui, les frères, elle n'est pas suédoise, elle n'est pas islandaise. Voilà ce qu'on est devenu. Dans les années 90, c'est nous qui allons chez les gens, vous vous rappelez? Là, maintenant, ils viennent chez nous. Quand je dis qu'ils viennent, c'est pas que les Renois, c'est pas que. Non, vous n'allez pas commencer à casser. Non. Mais là, je m'adresse aux Maghrébins pour qu'ils comprennent les signes, les messages subliminaux qu'il y a dans cette vidéo qui est terrifiante pour nous. Wallah, elle est terrifiante. Moi, elle me fait peur. Non, là, c'est utilité de bien public, entre guillemets. Il faut signaler, faut prévenir. Je sais que tout le monde est branché et connecté. Faut prévenir. Faut qu'elle retire, déjà d'une. Et surtout, il faut ce qui serait bien pour retirer pour le petit, miskine. Il est déjà humilié à son âge. Et surtout, prévenir les parents ou les gens sensés autour d'elle. Il y en a peut-être, sûrement. Non, Wallahi, non. Non, 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 non. Elle est terrifiante.